Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes rédactions hebdomadaires pour bien écrire le français, syllabe par syllabe, avec les règles de base de grammaire, de conjugaison et d'orthographe pour les classes de CP, C1, CE2, CM1, CM2 et 6e, mais également dans le cadre du soutien scolaire pour tous ceux qui ont des difficultés. Je vous invite à retrouver tous les liens vers les cours en fin de cette vidéo. Excellent cours à tous. Voyons aujourd'hui comment écrire une petite rédaction hebdomadaire qui parle de vous en ce qui concerne, par exemple, votre animal préféré, le chien. Donc un titre, un développement avec la raison ou pourquoi cet animal est celui que vous préférez, c'est-à-dire c'est et parce que. Et enfin, en dernier, une conclusion. Mais voyons ça au travers le cours. Commençons par le titre. Mon animal préféré. Mon, c'est le mien. Donc, M majuscule O-N, mon. Un déterminant possessif. Animal, A-N-I-N-I, M-A-L, en une, deux, trois syllabes, c'est le nom commun. Préféré, donc P-R-E, accent aigu, pré, F-E, accent aigu, fait, R-E, accent aigu, ré, préféré, point, en trois syllabes. Alors, si, donc, je reviens sur, ici, le déterminant, qui est ici, possessif, nous avons un nom dans ce titre, et un adjectif, il est préféré. Bien, continuons. Donc, avec un petit texte sur cet animal que je préfère. C'est un chien. Alors, c'est apostrophe EST, c'est un, 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 chien. C-H-I-E-N, chien. Alors, ici, c'est un C. Car on peut le remplacer par il. Il est un chien. Alors, c'est un chien. Il y a ici une liaison, comme ici mon animal. Alors le verbe, je vais le mettre en rose ici. Voilà le verbe. Le nom commun, vous l'avez tous retrouvé, c'est chien. Et ici l'article c'est un masculin. Singulier. Donc, c'est un chien. Alors, nous avons donc ici introduit donc la raison pourquoi c'est un animal préféré. C'est un chien parce que. Ici, par ce. En un seul mot, qu'il. Q-U apostrophe, il. Parce qu'il est être doux, par exemple. D-O-U-X. Alors, doux, ici, c'est donc l'adjectif. Nous avons, alors, ici, nous parlons de l'animal. Il, qui reprend le chien. Nous avons vu ça dans le précédent cours. Donc, le pronom personnel. Alors, ici, donc, on a parce qu'il. Ici, donc, de façon à dire pourquoi. Donc, mon animal est préféré. C'est un chien parce qu'il est doux. Et par exemple, qu'il est joueur. Et ET. On peut le remplacer par et puis. Donc, c'est pas le verbe. Qu'il, Q-U apostrophe, il,
EST. Et donc là, le verbe être joueur. J-O-U, joue. E-U-R, heure. Joueur. En deux syllabes. Alors, voyons tout de suite l'adjectif joueur. Voilà. Ici, on a toujours notre pronom personnel qui reprend le chien. Ici. Voilà. Voilà. Et le verbe être. Donc ici, on a ici le verbe être. Comme ceci. Que pouvons-nous rajouter? Eh bien, ce chien s'appelle Orange. Ou ce petit chien s'appelle Orange. Alors, ce. Alors, c'est C-E, ce. C'est celui-là, ce. Nous l'avons vu également. C'est un déterminant démonstratif. Ce. Petit chien. Alors, petit, P-E, peu. T-I-T, ti, C-H-I-E-N, chien. S'appelle, S-apostrophe, A-P, ap, P-E-L, pel, L-E, le. Et là, on va lui donner un nom. Il s'appelle Orange. C'est un nom propre. Donc, O majuscule. Orange. Alors, O, R-A-N, rang, G-E, je. Point. Alors, je vais le marquer aussi en vert ici, mais pointillé. C'est un nom propre. Alors, tout comme ici, chien, c'est un nom commun. Alors, le déterminant ici démonstratif. Nous avons également le verbe appeler, s'appeler. Et enfin, il nous reste ici en orange, donc l'adjectif. Bien. Si nous résumons, nous avons un titre. Donc, la raison ou le pourquoi on le préfère, c'est parce que. Terminons avec une petite conclusion. Mon chien, c'est le mien. Allez, on reprend mon chien. M-O-N, mon chien. Mon chien. Soit c'est le meilleur. Ou on peut dire mon chien est mon meilleur ami. Et, donc EST parce que c'est le verbe être, mon, M-O-N, mon, meilleur, M-E-I-L, meille, L-E-U-R, leur, en deux syllabes, et mon meilleur ami, A, M-I, mi, point, A, mi, en deux syllabes. Donc, dans cette conclusion, nous avons le verbe être qui est ici. Nous avons donc ici des noms communs. Un ami, un chien. Nous avons ici le déterminant possessif. Mon chien qui est à moi. Et aussi et mon meilleur. Alors, l'adjectif. Meilleur ami. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances. Au revoir et à très bientôt.